Salut à tous, c'est Chozo. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Double Dash. Alors, donc on s'est arrêté la dernière fois à la première coupe que j'avais gagnée assez tranquillement d'ailleurs. C'était la coupe champignon. Voilà, donc j'ai vu que j'avais pas mal de vues dessus, les gens étaient contents, donc du coup... je me devais de faire la suite. Voilà, donc moi c'est un jeu que j'aime bien aussi, franchement. On a passé pas mal de temps dessus et je vous avoue qu'ils étaient super bueno. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien. Et on se fait la coupe fleur cette semaine, la deuxième coupe. On va commencer avec le pont champignon. Voilà. Et donc c'est parti, on y va. Tiens. Et bon, ça va, pas trop mal le départ. Allez, tranquillement, putain, il y a des bus. Ça me fait penser un peu à Champiville, les bus. Champiville, c'est la troisième coupe. C'est la coupe spéciale, je crois. Non, attendez. La coupe étoile. La coupe étoile, voilà. Avec le royaume sorbet et tout le tralala. Donc, voilà, c'est aussi une coupe super sympa, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc ça va aussi Mario Kart sera aussi merde. Allez, bordel là, putain. Voilà, bon bref. Après c'est quand même c'est énervé sur du Mario. Ça le fait pas du tout. Et en parlant de Mario, je pense aussi vous faire un let's play sur. Super Mario Sunshine hein, que j'ai aussi piqué à mon cher ami Crucru. Un petit bisou de ma part, voilà, ça c'est dit. Donc je pense vous faire un let's play dessus aussi hein. Donc je pense que je vais les garder encore un petit moment et va falloir que je m'y remette aussi dessus parce que je pense que je vais regarder un peu la maniabilité puisque en plus les commandes de la caméra et tout ça c'est inversé donc c'est pas jojo donc voilà mais c'est pas grave après franchement il est super bruno celui-là aussi comme quasiment tous les Mario d'ailleurs donc voilà ce que je pouvais en dire après j'ai pas mal d'idées de let's play moi ça va être des let's play sur sur des jeux pas tout récent non plus, peut-être quelques-uns bien sûr, mais des bons jeux, genre Time Splitters, je vais faire un let's play dessus, Sonic sur la Sega, je vais pas faire un let's play dessus, mais voilà, une vidéo par monde, et voilà, comme ça vous êtes content, et moi ça me fait super plaisir d'y rejouer, vous ça vous fait super plaisir de re-regarder des vidéos dessus, et voilà. Et donc ensuite j'ai envie de faire une vidéo sur Splinter Cell 3, je sais ça fait un petit moment qu'il était sorti.
Mais bon, c'est pas grave. Moi, je préfère faire des vidéos comme ça que sur un jeu qui me plaît pas. Il n'y en a pas beaucoup hein, de jeux qui me plaisent pas, hein, franchement. Voilà. C'est parti, Circuit Mario. Mais non, franchement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui m'intéressent pas. Mais après, ouais, je pourrais vous faire des vidéos sur quelques nouveaux jeux, il n'y a pas de soucis. Bon, pas beaucoup sur les Call of, hein, comptez pas trop sur moi pour les Call of, je pense qu'il y en a. Merde. Je pense qu'il y en a assez, franchement, de youtubeurs qui font des vidéos sur les Black Ops, donc bon, voilà. Moi, j'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup pour compléter la panoplie. Donc, moi, enfin, les Black Ops, même les Call of en général, j'ai pas besoin de m'étaler plus dessus parce que bon, j'arrive à faire des bonnes parties, mais je vous mets que les bonnes parties de toute façon. Sinon, il y a des fois, je me fais vraiment lyncher, c'est horrible. Donc, voilà, genre connexion et tout ça. Après, bah, il y a des fois, franchement, je suis un peu fatigué, mais je joue quand même, alors je rage et voilà. Et je fais des parti pourri, hein, on peut dire ça comme ça. Et merde. Donc voilà, après, un champ magnifique. Donc voilà, après les Call of, je vous en proposerai pas non plus un par semaine. Parce que j'aimerais bien vous sortir pas mal de vidéos par semaine, mais déjà pas deux, moi je trouve que c'est pas mal. Comme ça, si vous en faites une en début de semaine, et connaissent. Et deux en début, une en début de semaine et une en fin de semaine avec le let's play. Et après, ouais, voilà, c'est une vidéo fun et puis une vidéo bonus sur les Call of, et voilà. Mais j'aimerais bien vous sortir pas mal de vidéos fun bah, sur les Mario, sur Sonic, hein, ça va revenir. Tanyo Splitter va revenir aussi parce que j'arrive pas à jouer à tout hein, parce que. Oui, parce que je taffe un peu quand même à côté, le soir je fais les vidéos, machin, après je joue un peu avec les potes et tout ça. Ben, le matin forcément je dors, parce que je suis à 4h, c'est pas cool. Et c'est bon, ouf. Donc voilà, après le matin je dors jusqu'à 11h, après hop, on mange et hop, c'est l'heure de partir au taf déjà, donc voilà. Donc j'ai juste un peu le soir pour... divertir un petit peu tranquille, voilà. Et il y a des fois j'ai pas eu le temps de jouer à tout. Qu'est-ce que j'avais commencé par faire comme vidéo avec Sonic. Bon bah voilà, je suis encore fini premier. Sonic, j'avais commencé aussi bah, les times que j'ai aussi piqué, mais bon ça va pour l'instant, il n'en fait pas de vidéo dessus, donc c'est bon. Qu'est-ce que j'avais commencé aussi. attendez que je regarde pendant que c'est en train de charger. Alors, merde, c'est déjà commencé. Alors, voyons. Merde, je l'ai pas enclenché. C'est pas grave. Puis je pense que voilà, c'est bon. Alors, je pense avoir fait le tour des vidéos fun que j'ai postées normalement. J'ai plus le souvenir en tête là. Allez. Yeah, un bon démarrage turbo. Et voilà, mais en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir les petites vidéos comme ça sur les anciens. Non, pas, non, c'est pas non plus des antiquités, hein, mais on va dire, oui, des anciens jeux, quoi, parce que ils sont plus en vente neuve, quoi, en fait, si vous voulez. Donc voilà. Donc après, j'espère que ça vous plaît, tranquille. Passez un bon moment en les regardant. Donc ça va, j'ai pas mal de remontées positives, donc je pense que ça vous plaît. Mais moi franchement, je prends grand plaisir à tourner les vidéos, même si quand je vois des fois ça bug, alors là ça me... Franchement ça m'énerve, mais bon, je fais ce que je peux avec l'ordi portable, je vous avoue. Hein, mais je crois que... Bah là j'ai fait du minage dedans, donc ça devrait aller. Normalement ça devrait plus trop couper. J'espère, parce que là je peux pas regarder la vidéo là. Je pense pas que ça va couper, que j'ai fait du ménage, mais on n'est pas à l'abri. Si ça coupe, bah, je la recommencerai, et puis voilà. Donc voilà. Et après,
franchement, je vous le dis clairement, quand ça bug comme ça, surtout si vous avez regardé l'épisode 8 de Resident Evil, allez vas-y, pousse-moi, toi aussi je te dirai rien. Là franchement, j'étais dégoûté quoi, parce que je peux pas le refaire en entier, ça me prendrait grave de temps, donc puis après ce serait pas, j'aurais pas les mêmes armes, enfin le même total de munitions que j'avais dans celui-là et tout, pas le même pourcentage de morts, etc. Donc voilà, je peux vraiment pas vous sortir des trucs pourris. Mais là, Resident Evil, pour le recommencer, c'est long quoi. Enfin voilà, j'espère que vous me comprendrez. Donc voilà. Allez, on revient au jeu. Hein. C'est juste une petite mise à jour par rapport à la dernière vidéo. Allez, il me reste une carapace verte. Si j'ai quelqu'un. Hein. On va la garder au cas où qu'il me balance un objet par derrière. En avant pour eux et puis par derrière pour moi. Parce que sinon ça va pas le faire du tout. J'ai pas de me faire griller avant l'arrivée. Donc là on est sur le parc Bodési que je vous parlais la dernière fois là dans la vidéo où il y avait la remise des prix. Et donc voilà, donc on est dessus en fait. Et je pense pas qu'on le voie sur Super Mario Sunshine. Je ne crois pas. Parce que on voit la mer aussi dans Super Mario Sunshine, mais je ne pense pas qu'on la voit. On le voit, le paquebot. Voilà. Bon ben, voilà, on a fini un peu premier. Après, 150 cm3, je crois qu'ils auraient été un peu plus chiants que ça quand même. Hein. Parce que plus on monte dans les centimètres cubes, plus ils sont chiants en fait. Mais 50 cm3, quoi, ils sont. Déjà, on arrive à rattraper les derniers, quoi. C'est, franchement c'est pas drôle quoi, faut qu'il y ait un peu de patate dans le jeu quoi, dans le gameplay que je vous propose, parce que sinon c'est dégueulasse quoi. Puis moi je me ferais chier en jouant quoi. Alors, donc faut que ça bouge un peu. Donc voilà. Allez. Yeah, super départ turbo. Après on peut faire des dérapages turbo là, avec les flammes violettes comme ça et. Enfin voilà, vous m'avez compris, donc ça passe du jaune au orange et après au bleu. Et ouf, j'ai cru que j'allais me bouffer une boule. Donc ça passe du jaune au orange après au bleu. Et on fait ça avec RL en fait. Donc voilà, bon, mon petit raccourci pour pas se faire chier avec les espèces de formes dégueulasses toutes carrées. Voilà, qui on retrouve dans les Mario Bros. Hein. Celles qui sortent des tuyaux, mais là elles sont à l'horizontale au lieu d'être à la verticale. Et voilà, et putain de race. Eh, venez ici, bande de filles. Voilà, pour être poli. Vas-y, une passe devant lui aussi, avec ton fils là. Allez, bande de manchots. Allez. Et donc fais ça avec L et R. Je reviens au dérapage turbo. Hein. Donc ça avec L et R. Une fois que vous êtes à bleu, les flammes bleues, ben, vous relâchez et ça vous fait un mini départ turbo en fait. Et ça booste, voilà, comme dit. Ok, ça vous fait une banane aussi, c'est bien. Mais, ça vous ralentit pas mal. Allez, vas-y, je me prends la boue. Avant, j'arrivais à passer sur le côté, là, au niveau de la terre marron. Et je gagnais grave de temps. J'arrivais à rester sur le côté et tout. Je faisais des pires temps, parce que là, ça fait un moment que j'ai pas touché, forcément, à Mario Kart, double dash. Voilà. Et avant je faisais des pires trucs et tout, mais là je vois que j'ai un petit peu rouillé en fait sur les Mario Kart. C'est assez dégueulasse. Oh là 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 là. En plus ils passent devant et tout, elles sont encore devant tranquille. Cette bande de filles. Donc voilà. Oh, je suis sur l'écran en face. Je sais pas si vous avez vu. C'était sur le bel écran magnifique où on voyait Diddy Kong. Voilà. Une spéciale paratroupa. J'adore celle-là. Franchement, trois carapaces rouges. Surtout quand là j'ai pas pris les deux. J'ai pas pris Koopa et Paratroupa parce que ils peuvent les avoir tous les deux. Donc quand j'en ai 6 rouges, celui qui est devant il prend cher. Donc voilà. C'est pour ça que je mets Paratroupa toujours derrière. Faudra que je change, que je mette Diddy Kong au volant. Hein. Mais la carapace rouge c'est mort.
Et... Bah, celle-là, non? Ouais, oh. Eh, c'est le troisième tour, là. Attends. Viens ici, toi. Enfin, venez, parce que vous êtes deux. Oh! Attends. Et, vas-y. Putain! Bon, moi, bah, je serai que deuxième, écoutez. Viens ici, je serai que deuxième. Et... Ça... Bon, c'est pas grave. Je serai peut-être normalement premier parce que j'ai été premier sur toutes les autres sur toutes les autres sur tous les autres circuits, je vais y arriver. Et oui, je suis premier, impeccable, parfait. Donc je gagne aussi 40 points, je ne suis pas deuxième, même si elles sont à 4 points de moi les deux gonzes. Voilà, allez, remise des prix, tranquille. Tadam. Oui, je vous montrerai le son de la vidéo parce qu'il faut absolument que vous écoutiez la musique. Donc voilà, pour ceux qui se poseraient des questions, pourquoi KEV, voilà, c'est parce que en fait, je m'appelle Kevin, donc voilà, ou Chozo comme vous voulez, il n'y a pas de problème, je réponds sous Chozo et Kevin, voilà. Donc nous avons gagné Waluigi Formula, ok, ça roule, impeccable, encore une voiture de Waluigi, et impeccable. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve bah, la semaine prochaine pour non, bah, d'abord vendredi pour l'épisode 9 de Resident Evil que je n'ai toujours pas tourné d'ailleurs. Voilà, j'espère que ça ne va pas planter. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve mardi prochain aussi pour une vidéo, je sais pas encore sur quoi. Voilà, et j'espère que ça vous aura plu. Et ciao ciao tout le monde, à plus et à vendredi.